Participer à un projet, un échange, c'est toujours positif. Hein. D'essayer d'échanger, ça nous apprend sur nous et aussi sur les autres. Das zeigt jetzt besonders so dieses Verschmelzung von Frankreich und Deutschland, weil man ja Frankreich auf Deutsch schreibt und Allemagne auf Französisch. Und wir malen ja noch solche Menschen, so Köpfe, die dann typisch französisch oder deutsch aussehen sollen. Und ich denke, das zeigt, wie sehr die Länder miteinander verknüpft sind. Und dadurch, dass wir das ja auch alle zusammen machen, ist das ja auch so ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Deutschen und Franzosen. Wir wollen überlegen, wie man eigentlich Inhalte ohne oberflächliche Technikeffekte umsetzen kann in Bildern. Das ist Ziel des Workshops, dass man sich mit einem großen, wichtigen Thema, mit einem der großen Themen des 20. Jahrhunderts, mit einer sehr modernen Technik nähern kann. Das sollte man versuchen, eine Botschaft zu übermitteln durch seine Bilder. Also eine Nachricht, irgendeine Substanz dahinter zu haben und nicht nur einfach irgendwie wild in der Gegend rum fotografieren. On voit des tombes derrière. Il y a des noms quand même sur les tombes, il y a des dates. Avec toute la base de données du Volksmund, on arrive à retrouver parfois des lettres que là, on a pu distribuer aux jeunes qui sont en train de les lire juste à côté de moi. Et c'est beaucoup plus personnel en fait. Le fait de voir qu'il est né à tel âge qu'en 1914 ou en 1915, quand il était ici, il avait 20 ans ou 22 ans, qu'il écrit à sa femme, à sa fille ou qu'il écrit à sa mère, ça rend tout de suite la chose beaucoup plus concrète. Wir sollen die Briefe lesen und uns die zwei Sätze raussuchen oder anstreichen, die uns am meisten beeindruckt haben und am meisten bewegt haben. C'est aussi la possibilité, comme en ce moment, de faire une rencontre. Et c'est, je trouve que c'est grâce à ces rencontres qu'on crée des liens, des amitiés. Et c'est ces amitiés qui, entre guillemets, garantissent la paix, parce que plus on se sent proche de son voisin, moins on a envie de l'attaquer, naturellement. Notre approche, ça a été de dire il faut prendre les jeunes là où ils sont et leur permettre, grâce aux pratiques qu'ils aiment, d'exprimer leurs émotions par rapport à ce thème historique qui est forcément lourd de sens. Quand on conduit des jeunes sur des lieux de mémoire, dans des tranchées, dans des cimetières, il y a forcément des choses très très fortes qui se passent en eux, même chez ceux qui étaient indifférents en arrivant. Donc l'approche que nous avons proposée, c'est une approche multithématique, donc à la fois cognitive, discussion avec des historiens, mais aussi éminemment artistique et créative, en proposant des ateliers photo, un atelier graffiti, un atelier danse, pour permettre à chacun, en fonction de ses affinités, de s'exprimer sur le sujet, dans une manière peut-être plus symbolique. Le lieu dit géographique, le village, il s'appelle Hartmannsvilla. Et ici, c'est Hartmannswiller Kopf, la tête de Hartmannsvilla, c'est-à-dire le sommet. On désigne par Kopf, si vous voulez, en termes géographiques dans germanique, hein, les sommets qui sont au-dessus d'une ville. Hein. Je pense que c'est important pour le futur qu'on sache vraiment toujours ce qui s'est passé pour pas que ça se répète faux. Faut pas que ça se répète. La représentation des drapeaux, du drapeau allemand sur le territoire français, c'est bien le fait qu'il y a vraiment eu un lien entre la France et l'Allemagne, que les Allemands ont bien été présents, tout autant que les Français, à une certaine période de l'histoire, et qu'ils ont droit aussi à leur place et à leur représentation sur cette terre ici en Alsace. Ils participent à un atelier BD Slam et là ils se concentrent donc plus sur le dessin et la complémentarité texte-dessin à partir de lettres, à partir de photographies, à partir de sur certains lieux on s'est posé pour prendre des croquis
dessiner sur le moment, avoir des phrases qui nous viennent sur le moment. Et l'idée, donc, c'est de mettre leurs émotions et leurs ressentis sur, en traces écrites ou dessinées. Unsere Aufgabe ist es einfach, sich mit der Zukunft zu befassen. Obwohl es ja hier eigentlich um den Ersten Weltkrieg geht, stellen wir uns vor, wie ein Museum, das über unser Leben zur Zeit im Jahr 2014 berichtet, in 100 Jahren aussehen könnte, also in 2114. On a toujours dit que l'amitié franco-allemande, c'est ça qui était au moteur de la réconciliation de l'Europe. Et je trouve que de danser ensemble 100 ans après qu'on se soit combattu, c'est un beau geste. On aurait même dit dans 100 ans, on aurait fait des trucs comme ça avec des Allemands et tout, on n'y aurait pas cru. Mais là, la preuve que si, on passe des bons moments ensemble, c'est même devenu des amis. Also im Ersten Weltkrieg oder so hätten wir nie miteinander getanzt. Und heutzutage geht das einfach, da kann man auch mit den Franzosen tanzen und Spaß haben und einfach gute Laune verbreiten. Die wir Ihnen heute, Herrn Staatspräsident und Herrn Bundespräsident, überreichen werden, ist das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit von 100 Teilnehmenden der Jugendbewegung 100 Jahre Erster Weltkrieg. Wir, junge Menschen aus Deutschland und Frankreich, im Alter von 16 und bis 22 Jahren, stehen heute an Gräbern von Soldaten, die vor 100 Jahren im Ersten Weltkrieg gefallen sind. Wir möchten eine Botschaft hinterlassen für alle, die nach uns kommen. Wir spüren, dass der Wille nach Frieden unter Jugendlichen stark ausgeprägt ist. Nous souhaitons transmettre ce message aux générations futures. Nous ressentons au sein de la jeunesse un fort désir d'avancer sur le chemin de la paix. Nous le prouvons par notre volonté d'apprendre à connaître d'autres pays et leur culture. La meilleure manière d'approfondir les liens entre les peuples est de favoriser les relations directes entre les jeunes grâce à des programmes d'échange. Nous sommes devant nous. Toi qui lis ces lignes, la paix est entre tes mains. Heute ist es ganz wichtig zu sagen, nie mehr Krieg in Europa. Und wie verhindert man dies? Indem man sich besser kennenlernt, indem man in Austausch miteinander steht, indem man die Sprache des anderen lernt und auf diese Art und Weise Vorurteile abbaut, Vorurteile entschlüsselt und sich immer besser kennenlernt und gemeinsam Lösungen für die Zukunft entwickelt. C'est une guerre dont j'ai survécu. Et ce n'est pas une guerre inventée. Regardez toutes ces croix plantées. Ici, c'est la loi du plus fort. Sur la Hartmannswiller Kopf, aujourd'hui règne un silence de mort. À
pour transmettre l'expérience de la guerre et surtout ses horreurs, les anciens combattants eux-mêmes ont pensé que la jeunesse était décisive. Et dès les années 20, la jeunesse est associée à énormément de projets de mémoire franco-allemand ou tout simplement français. Donc je crois que d'emblée, la jeunesse a été pensée évidemment comme un vecteur de transmission des souffrances de la guerre. Donc c'est évidemment continuer en quelque sorte l'œuvre des anciens combattants de 14-18 eux-mêmes. Ohne das deutsch-französische Jugendwerk könnte es diese Arbeit überhaupt nicht geben. Es ist unendlich wichtig, dass es eine Institution gibt, die so viel Erfahrung hat mit der Betreuung von deutschen und französischen Jugendlichen, um sie überhaupt zusammenzubringen. Man stellt sich doch nicht vor, wie schwierig das in Wirklichkeit ist. Die sprachlichen Probleme bleiben, die Organisationsprobleme bleiben. Wer hätte denn auch sonst das Geld, eine Veranstaltung zu machen, wo 50 oder 100 deutsche und französische Jugendliche zusammenkommen können? Nein, nein, das soll noch lange so wirken.